Nous avons presque terminé de transférer le fluide dans le premier appareil, Général Blaylock. Excellent. Dès que vos hommes auront terminé le transfert, mettez la capsule dans sa navette spéciale et allez à l'astroport. Une navette vous y attendra. Très bien, monsieur. Et surtout, faites attention, Harris. Vous n'imaginez pas la puissance de ce que vous transportez. D'accord, général. Non, j'y arriverai jamais. Montrer aux autres que je stresse à cause du match. Elle est debout. Il faut que j'aie l'air d'avoir confiance en moi. C'est quoi? J'ai appelé ça un détecteur d'humeur. Ça affiche les émotions des gens. Regarde, si je le pose à côté de toi... Ça veut dire quoi, le rouge? Je suis malade ou quoi? Non, Micro-Ice. Ça veut dire que t'es excité. Facile à deviner. C'est aujourd'hui le match contre les Wombats, normal que je sois excité. Moi qui croyais que c'était parce que Yuki venait d'entrer. Salut les garçons. Salut Yuki, t'as bien dormi? Comme un bébé. On va voir si c'est vrai. Waouh. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Noir, ça veut dire quoi? Tran, je peux savoir ce que tu fais? Elle est très perturbée. D'où tu sors ça? C'est le détecteur d'humeur qui le dit. Ouais, ben on s'en fiche de ce qu'il raconte. Hé hey! Vous devriez pas jouer avec ce truc-là. Je te le rendrai après le match. Qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. J'imagine qu'on est tous sur les nerfs à cause du match d'aujourd'hui. Voilà qui devrait certainement sceller le destin de Rocket pour le moment. Je peux entrer? Bien sûr, Yuki. La porte est ouverte. Bah alors, tu fais la tête ou quoi? Est-ce que tu as peur? Bien sûr que oui. Mais c'est pas un problème. Pour moi, si. Écoute, c'est un gros match, le plus important de notre vie. C'est normal d'avoir peur, il faut simplement pas que ça te paralyse. D'accord. N'empêche, je me sens pas mieux qu'avant. Yuki, tu es une bonne joueuse, j'ai confiance en toi. Tu dois croire en toi-même. On fait partie des Snow Kids maintenant. Yuki, on va tout donner. D'accord, ça je peux le faire. Tu vas les avoir, t'es la meilleure. Merci, Ma. Ça m'a fait du bien. Hé, hey, ma porte est toujours ouverte. Thank you.
bienvenue dans notre hôtel. Maman ? Papa ? Mais vous êtes arrivés quand ? Bonjour, ma petite chérie. On arrive à l'instant, pile pour voir ton premier match. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Je suis contente que vous soyez là. Tu n'as pas l'air si heureuse que ça ? Eh bien... Rocket a disparu depuis plusieurs jours maintenant. Je suis très inquiète. Nous sommes déjà au courant, chérie. Nous repartons juste après le match pour une mission diplomatique, mais... Avant de venir, je me suis renseigné, j'espère que ça ne te dérange pas. D'après mes informations, Rocket n'a pas quitté le Genèse Stadium. Quoi ? Tu en es sûr ? Les autorités m'ont informé que l'Astroport n'avait aucune trace d'un quelconque départ de Rocket. Je suis contente de savoir qu'il est toujours là, mais je me demande bien où il se cache. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Exactement comme de l'autre côté. La sphère est complètement scellée, Sonny. Je n'y comprends rien. On dirait qu'on lui a donné exprès un aspect ancien. Mais ça ne fait pas longtemps qu'elle est là. Qu'est-ce que t'en penses, la technoïde ? Qui d'autre que la technoïde pourrait construire un truc pareil ? Ou alors c'est quelqu'un qui a accès à leurs moyens techniques. Playlock. Pourquoi construire ça pour le Nether Ball ? Elle a été construite dans un but précis, mais pas pour le Nether Ball. Continuons à chercher, Corso. La réponse ne doit pas être très loin. Sonny, le match de D-Joke va commencer. D-Joke, j'avais oublié. Laissons tomber pour l'instant. On reviendra plus tard. Je tiens à vous rappeler que c'est un match éliminatoire. Si vous perdez, ce sera terminé. Adieu la cup. On rentrera sur Aquilian. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'on peut y arriver, mais je sais aussi que ce ne sera pas facile. Vous n'avez pas suffisamment joué ensemble. Et ce n'est que le second match de Mark et de Yuki. Vous allez devoir vous faire confiance les uns les autres. C'est dans un match comme celui-là que le souffle pourrait faire son apparition. Gardez ça à l'esprit. Vous devez tous aider Yuki et Mark à trouver le souffle et à battre les Wombats. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Alors, D-Joke, aujourd'hui, t'es officiellement devenu capitaine? Je sais, oui. J'espère être à la hauteur. Tu me gardes à l'œil, hein? Compte sur moi. Ne t'inquiète pas, chérie. Rocket va revenir. Voilà Arch. Arch ? Norada ? Kira ? Ça pour une surprise. On voulait juste te souhaiter bonne chance avant de rejoindre nos places. Oui, que la chance soit avec toi, Arch. Je suis sûre que les Snow Kids vont faire un bon match. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Ça vous dirait de venir dans la cabine de l'entraîneur ? Vous verriez le match de là-haut. C'est gentil, mais on ne voudrait pas te déranger. Vous ne me dérangez pas le moins du monde. En fait, vous pourriez vraiment me soutenir. Alors ce sera avec plaisir. Allons-y. Bonsoir à tous les fans de foot de la galaxie. Le premier match des champions en titre, les Snow Kids, va débuter dans une poignée de secondes. Je suis certaine que tout le monde a les yeux rivés sur son écran pour suivre ce match comme s'il s'agissait de la finale. J'aimerais rappeler à nos solo spectateurs que les Snow Kids ont titularisé deux nouveaux joueurs aujourd'hui. Mark en milieu de terrain et Yuki dans les buts. Les champions, privés de Rocket, leur star, et Daito, leur gardien surdoué, devront batailler ferme pour s'imposer. D'après mes informations, Daito devrait bientôt faire son retour, du moins si les Snow Kids auront la chance de battre les Wombats. Go, Snow, go! On va gagner! Go, Snow, go! Espérons qu'ils réussissent, Norg, ou les déçus se compteront par millions là-bas sur Aquilian. Maintenant, intéressons-nous aux petits nouveaux. Qui sont donc Mark et Yuki ? Mark, tout d'abord, est originaire d'Aquilian et a déjà joué avec Micro Ice et D-Joke. Arch s'est naturellement tourné vers lui quand il a fallu recruter un nouveau Snow Kid. Pour Yuki, c'est un peu plus compliqué, puisqu'elle est la cousine de Tran et Daito, le gardien des Snow Kids, actuellement sur la touche. Comme lui, elle a peut-être ça dans le sang, mais il est fort possible qu'elle soit le talon d'Achille de son équipe dans le match d'aujourd'hui. Merci, Norg. Nous regarderons donc Mark et Yuki de très près ce soir pour leur toute première participation à un match de la Galactic Football Cup. Et voilà les champions en titre, les fabuleux Snow Kids qui pénètrent sur le terrain. N'a pas du tout l'air impressionné par ses adversaires. Adi,
Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait de savoir si Rocket doit être sanctionné pour ce qu'il a fait. Et la réponse est évidemment non. Nous sommes tous d'accord sur la question, sauf un, le représentant de la technoïde. Il bloque le processus en ne se rangeant pas de notre côté. Hadim, en tant que présidente de la Ligue, vous devez prendre une décision. Qu'est-ce que le représentant de la technoïde a à nous dire aujourd'hui ? Harris ? La position de la technoïde concernant ce fâcheux incident est très claire. Rocket ne devrait pas jouer tant que nous ne sommes pas sûrs que c'était bien la première fois qu'il utilisait son fluide en dehors du cadre autorisé. Vous avez tous vu la vidéo dans le dossier technoïde, non ? Il n'y a aucune vidéo dans ce dossier-là. Vraiment ? Vous en êtes sûr ? Ah si, effectivement, il y a quelque chose. Alors, regardez-la. Bien joué, Rocket. Détruisons cette vidéo. Elle pourrait nous attirer des ennuis. Eh bien, après avoir vu ça, je ne peux qu'aller dans le sens de Harris. Je savais que vous feriez le bon choix. Désolé, Arch. Mais cette fois, je ne peux rien faire. Il semblerait que les pronostics soient en faveur des Wombas, si l'on en croit Barry Rant, notre célèbre consultant ici à Arcadia Sport. Enfin, les pronostics restent des pronostics, Cali, mais au moins une chose est sûre. Sans Rocket et sans Aito, les Snow Kids ont une équipe totalement inédite. Rocket était la clé de leur stabilité et Aito la pièce maîtresse de leur rideau défensif. Que va donner cette équipe sur le terrain ? Les Wombas vont justement leur faire passer un test. Espérons que les Snow Kids ne soient pas recalés. Ok, tout le monde est prêt pour ce match ? Clamp, à ton avis, quelles sont nos chances ? Je ne suis pas très optimiste, Arch. Le match s'annonce très dur. Je suis du même avis. Est-ce que je suis le seul à y croire encore ? Moi, je suis sûr qu'on va gagner. Moi aussi, Arch. Vous, au moins, vous êtes de mon côté. Personne ne peut arrêter Wu Wombo. Sur le ballon, Yuki. Oublie tout le reste. Il met toujours un effet à gauche dans ses tirs. Je vois sa trajectoire. L'impression de retrouver la mythique équipe des Wombas d'il y a 10 ans. Rien de tel qu'un but dès le coup d'envoi pour bien entamer un match qui s'annonce passionnant. Effectivement, Locke, mais uniquement si la partie est équilibrée. On pourrait avoir une grosse surprise aujourd'hui. C'est pas en jouant comme ça qu'ils vont gagner. Incroyable! Les Wombas viennent de marquer! Oh non, c'est une catastrophe! Allez, les Snow Kids! Eh bien, on dirait que j'ai des chances de revoir mon petit micro-ice plus tôt que prévu. Ne stresse pas, Yuki. L'équipe va perdre ce match à cause de moi. J'ai confiance en toi. T'inquiète pas, on n'est mené que 1 à 0. Tout est encore possible. Fais ce que tu fais le mieux. Bats-toi. Je vais faire de mon mieux. Ça va être plus difficile que je le croyais. On aurait bien besoin de Rocket.
Ce n'est pas le moment d'avoir des regrets. C'est ton équipe. Ils te font confiance. Joe, fais circuler le ballon. Ne joue pas perso. Joe, attention derrière toi. Dis Joe, je t'avais dit de passer le ballon. Tu n'es pas tout seul. Mais qu'est-ce que Tia fabrique? Commis une faute juste pour me faire un signe. Il n'y a qu'elle pour faire ça. Idiot ! Pourquoi t'as pas fait une passe ? Grâce à toi, on a perdu Tia. Tu t'es démarqué. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Tu m'as demandé de te garder à l'œil. Alors, réveille-toi ! Voilà qu'ils font des fautes pour rien maintenant. Mais du nerf pour ça. Wuwambo a le ballon. Va-t-il marquer à nouveau? Superbe tacle, mais les Snowkids ont l'air de se donner à fond. Sur ce coup-là. En tout cas, ils jouent déjà mieux. Et ils sont tous en pleine forme, pour le moment. Micro Ice, c'était un joli tir. Ne t'en fais pas. Tu auras une autre chance. Ne t'en fais pas, mon chéri. Tu marqueras la prochaine fois. Hé, hey, Mumels, faut avoir un truc à boire. Vous voyez pas que je regarde mon fils? Un peu de respect pour les héros d'Aquilian, merci. J'étais à ça de marquer. Ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je m'appelle Wuwambo. Hey. Ça y est, Nork. Dans quelques secondes, Tia va pouvoir retourner sur le terrain. Le temps est écoulé. Ça va? Espérons que le retour de Tia donnera un coup de fouet aux Snow Kids, le match étant déjà bien entamé. Pas deux fois. Bien qu'on perde. Tu as simplement besoin de les secouer. Ils joueront beaucoup mieux après ça. C'est une jeune équipe. Ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin de toi. J'ai pourtant l'impression que je leur en demande déjà trop. On pourrait concentrer le jeu sur Mark et les nouveaux dans l'équipe. Et surtout, il en veut. Ça peut créer un déclic. Peut-être, oui. Mais ils ne jouent pas du tout ensemble. Ils sont éparpillés. Aucun d'entre eux n'a utilisé le souffle. Ça se présente mal. Oh ! Mais il s'est fait prendre le ballon ! Tia, passe le ballon à Mark. Dis Joke, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, les Snow Kids ne sont pas en grande forme. Nous sommes déjà presque à la mi-temps. Si ça continue, il se pourrait que ce soit leur dernier match. Eh bien, alors que tout cela est loin d'une performance, jusqu'à présent, les Snow Kids ont passé la majeure partie du temps à regarder jouer les Wombats. Arch, ils sont très fatigués tout à coup, ça n'a absolument aucun sens. Ils n'ont plus le moral, Simbai. Ils ont perdu l'envie de remporter ce match. Je ne crois même plus qu'ils en soient capables.
Micro-Ice, on perd tous nos moyens. Écoute, capitaine, on peut encore se reprendre, mais faut rester cool. Et si jamais on perd? On rentrera sur Aquilian. Non, on va pas perdre. Il faut pas qu'on se laisse couler, dit Joke. On doit y croire. Okay.